On reste à Bamako pour parler du séjour de la délégation de l'ex-Assemblée nationale nigérienne. Au cours de leur séjour, les membres de la délégation nigérienne ont échangé avec les membres du Conseil national de transition autour des procédures de mise en place d'une institution législative transitoire. Suivons au micro de Alousseni Touré les explications du chef de la délégation, le colonel-major Abdou Idé Kambé. La mission que je conduis est une mission administrative. L'objectif de cette mission d'études et d'échanges d'expériences est juste d'appréhender les mécanismes de mise en place des structures parlementaires législatives au niveau des États de l'AES. Le Mali et le Burkina s'étant déjà dotés de ces structures parlementaires, le Niger pas encore. Donc c'est dans ce cadre que nous avons décidé d'entreprendre une mission administrative auprès de nos collègues du CNT, mission qui va nous conduire certainement au niveau du Burkina aussi, dans le même cadre. La leçon que nous tirons, c'est que nous avons compris que pour le cas du Niger, il faut qu'on aille un peu plus vite pour pouvoir être au même pied que les deux autres pays. Il y va pour l'intérêt de l'AES que le Niger, que nous procédions quand même à la mise en place de cette structure.